reprenons la partie tandis que je m'aperçois que un de mes réglages n'a pas du tout fonctionné. Donc pendant que vous allez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire à côté de cette tour étrange que je vais vous montrer dans quelques instants, je vais vous laisser un petit peu prendre du temps pour vous, puisque pour certains et notamment pour Vince Cold, les choses ont été particulièrement compliquées sur ces derniers jours. Vous êtes à l'approche de cette fameuse tour. Une tour de forme octogonale, faite d'une pierre grise. Et au bout de plusieurs, enfin de 2 jours d'efforts, mais surtout de 2 jours de fuite insensée, vous êtes enfin arrivé à ce qui semble être votre destination. Que faites-vous? Dans un premier temps, moi je la regarde parce que c'est exactement ce qu'il y a dans mon rêve, etc. Donc je sais pas très bien où on est, je comprends pas très très bien pourquoi ça s'est retrouvé dans mon rêve. Donc je suis là, je regarde et potentiellement j'utilise vigilance primitive, hein, tu vois, pour voir s'il n'y a pas, je sais pas, des loups ou un hydre ou un truc qui serait enfoui entre les pierres de cette Bah putain écoute, de tour. non, étrangement, comparé à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça a l'air relativement calme. Ok. Moi, quand on approche comme ça, je tire un peu la main de Corée. Je dis, Corée, on approche de la tour. Compte tenu de tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est arrivé dans cet endroit, et de tous les dangers auxquels on a fait face, et là, je lance un petit coup d'œil vers Vince Cold, sans qu'il forcément nous entende, il faut pas qu'on y aille sans préparation, pas se permettre. Comment... Tu l'as vu en rêve cette tour, c'est ça? C'est ça, exactement. Et normalement, à l'intérieur, je suis censée trouver un miroir. Écoute, je t'avoue que moi non plus, j'ai pas envie d'y aller comme ça, sans préparation ni rien. Après, dans mon rêve, ce n'était qu'une pièce vide. Donc, je sais pas. Effectivement, faut qu'on se prépare, mais. J'ai Est-ce un que bon t'avais des ressenti. sens, t'avais un bon ressenti? Ouais. C'était pas un rêve mauvais ou malfaisant ou quoi que ce soit. Non, C'était pas du un tout. rêve un peu bizarre. Voilà. Il faut quand même se l'avouer, il était avec une petite voix qui arrive derrière. Bon. Bon. Je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de temps pour repérer les lieux. Ok. Pour savoir dans quoi on est en train de s'engager, qu'on soit maximum de nos forces possibles. Je pense aussi à Vince Cole qui, je pense, a besoin d'être un peu ménagé. Et Est-ce que tu veux pas que j'y aille en éclaireur, vu que je suis là pour ça en fait? j'aimerais bien étudier un peu la tour, voir si ça me parle, si j'ai l'impression qu'il y a peut-être des forces magiques ou quelque chose. Si on a croisé puisqu'on a croisé un berceau sur notre chemin, ça veut dire qu'il y a des puissances magiques et des courants magiques dans ce monde. Ok, oui. Peut-être que cette tour en est à l'origine aussi. Donc, faudrait peut-être qu'on essaye de voir. Sinon, n'oubliez pas que j'ai ma chouette qui peut rentrer à l'intérieur et qui peut nous dire ce qu'elle voit et Oui, c'est vrai. peut-être avoir quelques informations sans qu'on risque quoi que ce soit nous-mêmes. Ok. Tu peux déjà me D'accord. faire un test d'arcane, s'il te plaît, Deneb. Effectivement, je prends un peu de temps pour regarder par la tour et ce qu'elle m'évoque, tout ça. J'ai l'arcane. On avait un petit peu abordé ça au cours du dernier scénario, mais je sais pas si tu t'en souviens. En fait, cette tour qui est à moitié en ruine. A l'air de correspondre à d'anciennes ruines protéennes que Ouais, les c'est ça fameuses ruines très que tu as anciennes. vu en projet D'avant d'avant l'Alliance, c'est l'entente. ça? Voilà, donc c'est L'Entente. Et du même style que la tour des Wargs. Des Wargs. c'est une bonne question.
Enfin, c'était censé être aussi Oui, une c'est ça, tour c'est d'architecture effectivement. protéine. Ça rappelle surtout le fait que tu es face à quelque chose de très très ancien et d'également très mythique. En fait, la civilisation protéenne, il faut voir ça un petit peu comme une sorte d'Atlantide, si tu veux. C'est quelque chose qui a existé, mais il y a tellement peu de traces et il y a tellement peu de preuves de son existence, mis à part ces quelques ruines qui existent et qui sont dispersées un peu dans tout Pangée, que ça relève parfois plus du mythe que réellement de la véritable civilisation. C'est un peu ça dans l'esprit collectif. Est-ce que je sais si les ruines qu'on a croisées sont dans un meilleur état que les ruines qui Ne, non. existent en Pangée? Et tu n'as peut-être même probablement jamais vu ces ruines dans Pangée, hein, pour le coup. Tu l'as vu via des D'accord. ouvrages, via des discussions à l'Academia, car je rappelle pour ceux qui nous découvrent qu'en tant que magicien, tu as été formé dans une école de magie qui s'appelle l'Academia, où tu as passé le plus clair de ton temps, une sorte de Poudlard géant, si tu veux. Le fait est que... Pour toi, la civilisation protéenne, c'est quelque chose qui est propre à Pangée, et le fait de retrouver ces ruines dans un monde miroir, c'est quelque chose de très étrange et qui t'intrigue beaucoup. Vous approchez un petit peu Ok. de cette tour, donc cette tour qui est de forme octogonale, hein, a l'air d'être faite en fait d'une pierre grise qui est lisse, qui est très froide au toucher, un peu comme du métal en fait. Il n'y a pas d'aspérité propre à la pierre, si vous voulez. C'est comme si la tour en elle-même avait été sculptée au sein d'un seul même bloc de métal. Sans pour autant que ce soit du métal. Ok. C'est une pierre, mais qui a une apparence très métallique. Un côté de la tour est éventré, c'est ce que vous pouvez voir sur le côté droit du magnifique dessin de Fred Booth. Vous voyez que la tour comporte donc plusieurs étages, et de ce que vous voyez de l'intérieur de ces étages, la tour a l'air d'être presque vide. Aldine et Deneb, cette tour elle vous met mal à l'aise. Est-ce que c'est par rapport à votre rêve, pardon, vous sauriez pas dire. Le fait est que lorsque vous en approchez, vous avez l'impression que quelque chose pulse à l'intérieur du bâtiment. Vous ressentez. Aline et Aldine et Corée, donc. Corée, oui, pardon, pas toi, Denem. Ceux qui ont fait le rêve, donc Aldine et Corée. Vous sentez cette espèce de. Comme si quelque chose était en train de battre, de pulser à l'intérieur. Vous remarquez, sur un des côtés de la tour, une immense entrée. Il n'y a plus de porte, ce qui devrait faire plaisir à beaucoup d'entre vous, puisque Dieu sait que vous avez peur des portes. Ah oui, tellement. Tellement. Et à Et raison. à raison. Et Et à à raison. raison. L'entrée, en tout cas, ce qui avait l'air de contenir une porte auparavant et ce qui sert d'entrée maintenant, est immense. Ça fait presque 5 mètres de haut. C'est gigantesque. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'adresse à tout le monde. Est-ce que vous voulez que j'envoie mon chouette pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur? Tu peux envoyer ta chouette, oui. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut nous permettre d'avoir déjà un visuel. D'ailleurs, Corée, je suis quand même pas très serein. Je suis très partagée par rapport à ça parce que dans le rêve, il y avait cette même impression de vie assez, là, enfin, je veux dire, ça pulse, enfin, je sens qu'il y a quelque chose de particulier. Après, dans le rêve, il se passait pas, on n'était pas agressé, il n'y avait pas une impression de... C'était juste un rêve bizarre. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que je ne suis pas très serein. Même si je pense que c'est notre secours, enfin, notre issue de secours qui est derrière. Je sais pas, je me sens attirée par la tour.
Vous avez Vince Cole qui, vous sentez que, qu'il traîne un peu en arrière, il a un peu du mal à se déplacer, il a du mal à tenir le rythme, et vous sentez qu'il prend sur lui aussi, et donc il va pas énormément parler, parce qu'il douille, ça rafle, mais il dit « On ne comprend pas ce qui se passe ici, pourquoi seulement vous deux avez-vous fait ce rêve ?» Je t'avoue que je sais pas du tout. Je pensais que ce genre de choses était plutôt attribué aux mages, mais comme je connais rien à la magie, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je ne pourrais pas te répondre, mon cher Vince Cold. Mais déjà, plusieurs fois que nous avons les mêmes rêves ensemble avec Corée. Et même pour mon petit cerveau, je ne comprends pas trop. Surtout pour ton petit cerveau. Ouais. Je pense que ça sert à rien de se poser des questions maintenant, on aura plus de réponses à l'intérieur. Ok. Et espérons que ce soit effectivement notre porte de sortie. Et effectivement, j'invoque mon. Enfin, je fais apparaître ma chouette et je l'envoie à l'intérieur. Alors, tant qu'elle peut, je regarde par ça. Donc je pose ma main sur Aline comme ça pour pas me péter la gueule et j'envoie la chouette et j'essaie de voir par ses yeux et entendre par ses oreilles tant dans la portée que je peux et puis ensuite je lui demanderai d'aller plus loin et de me télépathiquement me dire ce qu'elle voit. La chouette pénètre dans la grande entrée. Elle a l'air minuscule à côté de cette entrée et elle arrive au niveau du rez-de-chaussée, une pièce gigantesque qui fait 25-30 mètres de diamètre, qui est extrêmement haute. Encore une fois, ça, de ce que tu vois, t'as l'impression que ça a été fait pour un peuple de géants. Et étant donné tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça fait sens. Je rappelle que toutes les créatures que vous avez vues étaient des créatures gigantesques, qui étaient bien plus grandes que ce que vous voyez d'habitude en Pangée. En revanche, au centre de la pièce, tu vois, un escalier en colimaçon à taille humaine. Les marches sont à taille humaine. Est-ce que ça, enfin, ça veut dire que c'est dur à dire, mais est-ce que ça a l'air plus récent ? Non, ça a l'air... c'est moins. Non, c'est abîmé. C'est dans le même état que le reste de la tour. La tour en elle-même n'est pas totalement abîmée. C'est juste qu'elle a été éventrée à un moment donné. Une partie s'est écroulée, mais le reste a l'air d'être tenu. Et en fait, tu as cette impression-là parce que tous les murs ont l'air d'être faits d'un même bloc. Donc il n'y a pas de morceau qui a pu s'écrouler, ce qui a permis au bâtiment de se délabrer derrière. Non, tout a été fait d'un seul et même bloc. Okay. Et donc cet escalier en colimaçon monte. Il est où dans la il pièce est au, il est au milieu, dans un coin. Il est au centre. D'accord. La chouette va faire un petit tour de la salle, voir si elle repère autre chose. Et si elle repère rien, genre par exemple sur les murs, s'il y a des décorations, des symboles, il y a absolument des miroirs. Rien. La pièce est totalement vide. Si la pièce est totalement vide, la chouette va commencer à monter le long de l'escalier en colimaçon. Elle va grimper. Elle va suivre la montée. J'ai 30 mètres de portée hein, pour voir par ses yeux. Au-delà de ça, il faudra qu'elle y aille toute seule et qu'elle me dise. Je crois qu'elle peut venir par télépathie jusqu'à une certaine distance. Sinon, elle y va. Elle remonte. Tu t'es un peu approché de la tour, donc tu arrives encore à voir avec ses yeux. Et la chouette arrive au premier étage. Une pièce pareille, donc octogonale, encore une fois. Et c'est une pièce, cette fois, qui est encombrée de dizaines de tables en pierre. Ces tables partent des murs et se rapprochent vers le centre. C'est des tables à taille humaine aussi ? D'accord. Mais dans une salle qui est exactement grande comme celle d'en bas. Okay. Donc il y a beaucoup de tables. Des dizaines de tables. Les murs sont vides. Et l'escalier
continue. Je pense que je pourrais pas voir par ses yeux si elle monte. Je l'envoie quand même, qu'elle parte en reconnaissance et qu'elle revienne si elle peut pour me dire ce qu'elle aura vu. Elle te parle? Elle me parle par télépathie, mais je crois que c'est comme pour l'essence. C'est-à-dire qu'il faut communiquer par télépathie jusqu'à 30 mètres, qu'elle est obligée de Mais c'est monter une conversation. Elle te fait pas, elle redescendre. te donne, communique pas par sens. Elle te parle. Non, vous pouvez communiquer par télépathie. C'est pas un Ok, animal, hein, ok. c'est un esprit. Tu sens que tu perds un peu le contact avec cette chouette pendant quelques secondes, ce qui te met un peu mal à l'aise à ton tour. Et puis, la chouette redescend et revient à portée. Et elle te dit, c'est la dernière pièce. On est sur une nouvelle pièce, immense et vide, comme le hall, comme l'entrée, comme le rez-de-chaussée. À la seule différence près que dans la pièce, j'ai vu une petite colonne, 1,30 m de hauteur, pas plus, qui donne face à un mur qui me reflétait. Ok. Je rappelle la chouette et je me retourne vers les autres. Et du coup, je vous dis, voilà, il y a la tour a l'air vide. Il y a deux étages. La chouette n'a vu aucune vie ni même très peu de décoration. La première pièce est complètement vide. Il y a un escalier qui monte. Le deuxième, le premier étage, il y a beaucoup de tables. Peut-être un lieu de banquet ou peut-être un lieu de gens siégés pour des conseils, je ne sais pas. Par contre, de ce que m'a expliqué la chouette, et je ne l'ai pas vu par ses yeux, c'est qu'au dernier étage, il doit y avoir un miroir avec un pilier central. Oui, c'est ça. C'est ce que nous avons vu, je pense. Ok. La chouette a vu aucune présence. Moi, je ressens pas spécialement de magie particulière. Une magie particulière, mais en même temps, je suis pas capable de détecter les magies dont pourrait être empreinte la tour. Mais bon, il y a l'air de rien avoir. Je vous propose qu'on y aille sur nos gardes, doucement. On explore chaque salle, vérifie qu'il n'y a pas de pièges, de mécanismes, de sortilèges, et on essaye de progresser jusqu'au sommet. Et au sommet, on verra. Allons-y. Viens scold. Que je te porte encore ou ça va? Marcher. Restons sur nos gardes. La dernière fois qu'on a vu un miroir, ça s'est mal passé. C'est vrai. Je dégaine ma rapière Très bien. et je rentre dans la tour. Et donc tu rentres dans ce rez-de-chaussée, mais tu constates par tes yeux, et les autres surtout, vous voyez pour la première fois cette pièce immense et totalement vide, avec ses 8 murs tout autour qui ferment. Et cet escalier, à votre taille. Pour toi, Vince Cole, c'est peut-être même un poil trop petit. Ce qui est très étrange. Pour le coup, pourquoi un escalier de cette taille dans une tour avec une entrée si grande et avec une surface si grande et si vide? Ça vous interroge, ça vous questionne là-dessus. Est-ce qu'il a l'air taillé dans la même Oui, pierre, c'est tout à également fait. d'un Tout à bloc fait. avec la tour? L'escalier, en fait, a été fait. C'est une impression 3D. Tout a été fait dans le même moule. Il n'y a pas de délimitation. Il n'y a pas de jointure. Vous voyez absolument rien entre les marches. Vous regardez un petit peu plus en détail. Faites-moi un petit jet de perception. Je vais tenter de le Tiens. faire avec des Alors, avantages. ah Ouais, oui, c'est c'est vrai, j'ai oublié. contrôle. Bah, Aldine, tu peux refaire un jet et tu prendras le moins bon des deux. Vince a un bon Très bon désavantage, jet. visiblement. J'ai un bon désavantage. Ouais, bah moi j'ai fermé les yeux comme Ok. d'habitude, donc bon. Corée, toi, en fait, cette tour te met vraiment mal à l'aise.
t'es, tu ressens cette D'accord. pulsation et t'as l'impression que ça t'atteint directement, c'est-à-dire que ça pulse presque en toi. Aldine, toi, t'es un peu moins conscient de cette chose, et donc tu fais un peu plus attention, ton côté martial te permet de faire un petit peu plus attention à tout ce qu'il y a autour, et quant à Vitskol, malgré tes blessures et Deneb, vous êtes très attentif à ce qui se passe, vous êtes vraiment sur vos gardes, donc le moindre bruit, le moindre rayon de lumière, le moindre élément perturbateur vous met tout de suite aux aguets. Et vous constatez que, encore une fois, cette tour étrange a été faite d'un seul et même bloc, il n'y a pas de joint, les angles sont très nets, il y a presque quelque chose de magique dans la création. Aucun être vivant, aucun être capable de construire quelque chose ne pourrait fabriquer quelque chose d'aussi pur, d'aussi net, d'aussi droit. Et vous ne voyez rien d'autre. Il n'y a pas par exemple, de peinture au plafond. Il n'y a même pas de Absolument reste de rien. peinture. Vous avez cette pierre grise. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. La seule chose qui donne un peu de lumière, c'est le soleil qui vient taper à l'intérieur de la pièce. La pièce est totalement sombre sinon. Flav, tu feras gaffe, t'as fait un jet de perspicacité. Ah oui, j'avais pas vu. Je vais regarder un petit peu la partie effondrée pour voir si j'arrive à savoir un peu à quoi c'est dû. La tour a l'air très ancienne. Est-ce que c'est une structure Non, nette? c'est Est-ce que pas c'est net. La tour a l'air très ancienne. C'est comme si quelque chose avait explosé dessus, comme s'il y avait eu un impact qui était venu éclater une partie de la tour. Et tout simplement les ravages du temps. C'est ce que tu arrives à en déduire. Étant donné la taille des créatures qu'il y a dans la région, c'est peut-être tout simplement un sanglier qui est passé par là et qui a éternué, quoi. Mais il l'a fait, il y a des rayons. Les Les fameux fameux éternuements éternuements de de sanglier. Quand tu sais qu'il y a 2000 ans, les créatures quoi? étaient encore plus grandes. Il y a 2000 ans, les créatures étaient Ouais, c'est encore plus ça. grandes. Ah, c'est possible. Oui, je veux pas voir la gueule des dinosaures de l'époque, par contre, hein, Ça. vu la tête des louis ici. C'est un sanglier géant, géant. Ce qui me fait penser à la dernière extension de WoW, mais c'était un petit aparté. Tu dois voir un Bien, sanglier ok. géant, il devient tout petit, c'est très drôle. Bref. Noterons que nous n'avons pas Non, bah non, il est sur d'administrateur WoW. ce soir. Donc Cerbas, Et sache que tu es demandé ici. les C'est-à-dire qu'on est obligé de spammer nous-mêmes le chat parce que tu ne le fais pas. gens. du coup, je vais commencer à monter un petit peu les escaliers. Pas à pas, en étant vigilant, en vérifiant qu'il n'y a pas de mécanisme, qu'il n'y a pas de symbole, de sortilège. Je vois toujours pas la Non. magie. Je peux pas faire mieux. Je crois que je lui emboîte le pas, pardon, parce que, et en lui disant, Deneb, je pense que s'il arrive quelque chose et que tu sois en première ligne, bon. Ok. Pas Donc de Adeline, tu souci. prends la tête. Je prends la tête de Deneb, ouais. Très bien. Et C'est surtout, bon, j'ai donc un demandé la deuxième PJ qui vient permission de avant mourir. ça. Pourtant, c'est important. Arrêtez-vous! Aldine, tu montes cet escalier en colimaçon. La montée est assez longue, hein, encore une fois, il y a presque 10 mètres de hauteur, il y a 10 mètres sous plafond presque. Donc ça prend un petit peu de temps, le temps de grimper tous ces escaliers. Et tu débouches au premier étage, et tu découvres donc cette pièce, toujours octogonale, hein, toujours ces 8 branches, et des tables en pierre posées le long des murs, parfaitement alignées, toutes droites, et qui se rapprochent du centre. Sur les. Le centre, Ouais. c'est l'escalier. Au niveau des tables qui sont proches des escaliers, les tables les plus proches, tu vois des sortes de protubérances dans la pierre. Une sorte de bulles qui sont sorties. Je prends mon épée et je vais toucher ces protubérances. Quand la lame. Non, non, Quand la lame non. touche la protubérance, toute la tour se met à vibrer. Un espèce de. Très léger. Épée. Et la pulsation que Ok. t'entendais depuis le début, elle se met à vibrer plus forte. Beaucoup plus lourd.
À nouveau, Aldine et Corée, vous êtes les seuls à l'entendre, à le sentir. On a senti quand Ouais, même vous avez le tous senti le tremblement ou tremblement. pas? Une fois que le tremblement s'arrête, Aldine, tu remarques que sur les murs apparaissent des formes géométriques qui forment une fresque le long de tous les murs. Elles représentent un octaèdre au cœur d'un dodécaèdre Quoi? et le tout englobé dans un cube de métal. Imagine un D8 qui est à l'intérieur d'un D10 qui est à l'intérieur d'un cube de métal. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Le dodécaèdre, c'est un D12, je crois. D'accord. D12 ou D20. Tu m'as tellement perdu au premier mot. Oui, bah, tu me doutes. Je vois très bien à quoi ça ressemble, Je crois que c'est un un cube de D8 métal. dans un D20, dans un Toujours cube de est-il métal. que... Hop. En fait, tu vois ces Mais je comprends motifs-là pas qui le cube. apparaissent. Ah d'accord. C'est tellement mystique. C'est C'est tout de suite beaucoup plus beaucoup plus clair. clair que l'explication. Nous sommes d'accord. Sur Dodécade, effectivement, j'ai un doute, mais je crois que tu as raison. Je crois que c'est un T'es D20, sûr? un dodécaèdre. Non, Non? Et je me Dodécaèdre, suis. c'est Donc c'est un un D12. 12, c'est une figure avec 12 faces, et c'est un dossier machin truc qui a un dé de 20. Je n'ai Je me pas fait souviens mes plus du recherches, blaze. je l'admets. C'est-à-dire quand j'ai relu la gazette Pas dans très mon grave. lit hier soir, je me suis dit, mais enfin, peut-être que je regarde. Et je n'ai pas fait. C'est ça un cube de métatron? Ou c'est ça veut dire il y a un Non, c'est métatron, ça, ça veut dire autre c'est chose? cette forme-là. Non, Et en fait, tu vois c'est un cube de métatron. toutes ces formes géométriques tout le long tout le long des murs. Ça apparaît partout sur les murs. Et le plafond, qui jusqu'à présent n'était qu'un. Un simple plafond gris de cette pierre lisse assez étrange va se mettre à émaner une petite lumière violacée, très douce, qui a l'air de parcourir tout le long de la surface. Elle est statique ou enfin genre le Le plafond plafond s'éclaire. s'éclaire Non, ou il y a une espèce le de lumière plafond qui se s'éclaire. balade? D'accord. Ok. Comme si vous aviez allumé la Okay. lumière, il y a cette espèce de plafond, cette espèce de lumière violacée, pourpre, qui diffuse et qui donne au tout une atmosphère à la fois inquiétante et à la fois agréable. Intéressant. Tout le Vous monde est avez arrivé d'autres au trucs premier que vous avez étage fait là? pendant ce temps-là? Bah moi Bah, personnellement j'ai un peu suivi, enfin j'étais sur leurs talons tout en étant pas très rassurée. Et surtout j'étais avec Vince Cold pour fermer la marche avec lui, pour pas le laisser tout seul. ouais, Vince Cold, il monte en dernier pour pas bloquer les autres, vu qu'il va monter plus lentement. S'il y a une rampe, il va s'appuyer un peu dessus, mais dans tous les cas, il va monter assez lentement. Et quand il sent que ça, que la tour commence un peu à trembler, déjà qu'il en chie un peu pour monter. Donc, Aldine, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, il y a des bulles qui sortent des tables. Alors je veux savoir ce que c'était. Arrête de toucher, Vince Cold. Aldi, oui, Aldine. Aldine, arrête de toucher à ce que tu ne connais pas. Franchement, c'est flippant. Montez, vous allez voir que c'est un peu plus flippant. D'accord. Viens, Vince Cold, je vais t'aider. Prends ma main. Du coup, est-ce que du premier étage, on peut voir le À rez-de-chaussée? travers l'escalier en colimaçon, ouais. Ouais, et du coup, je regarde, ça a changé en bas? Je me dirige vers les symboles au. Là, je me dirige vers les symboles au mur, et sur le chemin, je regarde si sur les autres tables, il y a Non, ça d'autres espèces n'apparaît de que petites sur le bulles. centre, que sur Ok. les que Je sur les tables les plus au centre de la pièce. Après, vais le centre. non. Quand j'ai touché les bulles, est-ce que j'ai senti que c'était des bulles molles, enfin Non, genre non, non, bulles savon, c'était bulles comme molles une ou bulles dures? excroissance, comme si la pierre avait été un peu déformée, donc c'était dur au toucher. C'était pas des bulles. Imagine une table en pierre avec de grosses aspérités qui ressortent de la pierre. Et du coup, quand je vois qu'il n'y a pas trop d'aspérité sur les autres tables, je pose la main sur une table Il se passe côté rien. de moi. Se passe rien, du coup je continue vers le dessin et enfin les dessins. Et je commence à regarder un peu est-ce que ça me parle, comment ça j'en fais, j'étudie un peu
le tracé, est-ce que ça pourrait me faire penser à un cercle magique, des trucs que j'aurais vu à la Kadama ou Tu peux me faire quelque chose. un test d'arcane. Avec plaisir, monsieur Vincent. Can... 17. T'as vaguement le souvenir que... Plus qu'un souvenir, t'as plus tu t'en déduis plus que ça a une propriété magique, que c'est un... Que c'est un... Une forme dédiée peut-être à une sorte de rituel, à une sorte de magie. Mais... Rien de plus. Tu comprends quelque chose, Deneb ? Non, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Ça a l'air d'être magique, très certainement magique, mais je sais pas à quoi ça sert. Et je touche de mes mains, enfin de mes gants, je touche un peu le tracé des lignes sur le mur. Comme ça, je suis un peu, je regarde ce qui se passe quand je touche. Rien du tout. En fait, ces lignes sont juste apparues, mais le mur reste lisse. C'est comme si c'était incrusté à l'intérieur, mais il n'y a pas de, encore une fois, pas de rainure, pas d'aspérité. On est sur une surface qui est totalement lisse. Malgré tes gants, tu sens la pierre froide au toucher. Je balance un petit éclair, petit coup de poignée électrique sur le mur, sur le symbole. Oh mon dieu, mais non, mais ça va rebondir. Alors, ça ne rebondit pas. En fait, l'éclair vient percuter le mur et puis disparaît. Et la pierre est toujours là, un peu noircie par le sort, mais rien de plus. Oh mon dieu. Okay, ça... En fait, quand j'ai touché les bulles là, les trucs sur la table avec mon épée, c'est apparu. Est-ce que je retente? Ouais. Je vais m'écarter un peu. T'as Vince Cole qui arrive, appuyer sur quoi? Attends que j'arrive. Viens Vince Cole, viens. T'es sûr? Parce que ça m'a fait une sensation vraiment bizarre tout à l'heure. Je me sens pas très bien, j'ai un peu envie de vomir, là, je me sens pas très bien. Pareil, mais je... Bah, moi je regarde le truc fasciné, je fais vas-y Aldine, appuie à nouveau. Oh. Genre, je vous entends plus, tu vois. Je suis trop fasciné par le son. Je prends mon épée et je me mets à côté de Deneb. Et du coup, je tends, genre quand même en reculant, et je touche un petit peu une des aspérités. Bon, je suis pas à côté de toi parce que je suis un peu à l'autre bout. Ah ouais, t'es à l'autre bout. Ouais. Il est contre le mur. Hein. Ah oui. Bah, je me suis écarté du mur, mais je suis pas contre le mur. Et la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Et quand ta lame touche la protubérance, absolument rien. Toujours pour toi, Aldine, et pour toi, Corée, cette pulsation. Qui est constant. C'est pas non. Plus fort. Ouais, c'est ça s'est pareil. Mis à la pulser beaucoup plus fort quand tu as touché pour la première fois, mais là, le fait de retoucher, il ne se passe rien d'autre. Et... Vous sentez rien, vous autres? Non. Elle est spéciale. Enfin, ça a vibré tout à l'heure, mais c'est... Elle résonne dans notre corps, en fait, cette pulsation. De quoi? Cette pulsation, elle résonne dans notre corps, ou c'est comme si la pulsation était aussi... Ça a l'air d'émaner de la tour, mais ça n'a l'air de... Il n'y a que vous qui avez l'air de ressentir cette pulsation. Mais c'est pas vous qui pulsez, c'est la tour, apparemment. Je me sens pas bien. Ou quelque chose dans la tour. J'ai l'impression que j'ai une autre créature dont le cœur bat dans l'entièreté de mon corps. Voilà. C'est hyper désagréable et je me sens vraiment pas bien. Et ma bonne intuition du départ, elle vient un petit peu s'évanouir. Et... Depuis qu'on est rentré ou depuis qu'on est dans ce monde? Depuis qu'on est... Dehors. Dehors. On le sentait, ouais. Je reviens vers Aldine, je me penche un peu sur la table qu'il a touchée. Je regarde les tables adjacentes, il y a aussi la même chose, les mêmes aspérités, trucs comme non. ça. Il n'y a vraiment que sur les tables qui sont à côté de l'escalier. Mais du coup, il y a plusieurs tables sur lesquelles il y a ça. Il n'y a pas que celle sur laquelle lui a appuyé. Bah, je vais sur une autre table et puis du bout de ma dague, je tripote un peu. Ta lame touche l'aspérité, mais rien d'autre. Vous avez en fait. Vous avez le sentiment d'avoir activé un mécanisme qui ne peut pas être désactivé.
Je commence à me sentir un peu mal. Je pense que Corée aussi. Je pense qu'on continue de monter si ça te dérange. Attendez, je veux vraiment savoir comment ça marche. Là, vous sentez que je suis un peu en mode magicien fou qui a besoin de comprendre, tu vois. Deneb, on veut rentrer chez nous. Stop. Deneb, tu peux me faire un petit test d'intelligence, s'il te plaît. Un test d'intelligence, normalement, c'est quelque chose que je fais bien. Je mets l'abri. Et la nombre. En fait, tu passes plusieurs minutes à étudier la pièce. Tu passes ta main. Peut-être qu'il t'arrive même d'enlever ton gant pour doucement essayer de toucher le mur ou les formes ou même les protubérances. Et il se passe jamais rien. Et un peu à contre-cœur, peut-être sans trop le révéler aux autres, t'en arrives à la conclusion que c'est bien au-delà de tes compétences. Ouais. Ils sont forts, ces protéins. Ok, bon, ouais, finissons-en. Montons à l'étage. Est-ce que vous voulez que j'envoie la chouette pour voir si... Oh non, faut remarquer qu'on est plusieurs. Non. Mais là... Non, là, j'en peux plus, là. Bon, ok. Je veux partir. Allons-y. Vous grimpez. Courage, Vinscold. Vous grimpez à nouveau cet escalier qui fait encore une dizaine de mètres de hauteur, donc c'est encore une fois, c'est très grand. Et vous arrivez dans une toute dernière pièce. Il n'y a plus d'escalier, l'escalier s'arrête là. Une pièce immense, à nouveau. Totalement vide, avec ses 8 murs, ce plafond gigantesque, cette pierre grise. Et dans cette pièce qui fait encore une fois 20, 25, 30 mètres de diamètre, donc qui est vraiment gigantesque, la seule chose qui apparaît, c'est une sorte de petite colonne, un peu plus qu'un homme, qui s'élève dans un coin de la pièce, enfin, presque au centre de la pièce. Et en face de cette colonne, vous voyez un mur, comme un mur de métal, mais dans lequel vous vous reflétez. Comme si ça avait été une sorte de miroir qui avait été poli par le temps. Enfin, terni, pardon, pas poli. Il n'y a rien d'autre, et c'est le seul mur qui vous reflète. C'est l'un des 8 murs de la pièce, ou c'est une paroi non, c'est l'un des 8 murs à l'intérieur. Qui est face à ce petit piédestal. Attends, l'un des 8 murs, attends, j'ai pas compris. L'un des 8 murs, en fait, c'est un miroir, ça ressemble à un miroir. Et là, t'as en face de ce miroir, c'est t'as, ça. T'as une et colonne pour comme toi, ça. Aldi, c'est ça. Mais qui ouais, fait 1m30, quoi, qui est un peu plus petit que vous. Et pour vous, Aldi et Corée, ça ressemble à cette fameuse colonne que vous avez vue dans votre dernier rêve. C'est bien ça, c'est bien là. Et il faut mettre la main sur le piédestal. Vous approchez du piédestal. Il y a des symboles ou quelque chose sur le piédestal ou dans la pièce? Non, la pièce est totalement vide. Il n'y a rien du tout. Les murs sont totalement lisses. Et sur le piédestal, qui est un pareil, hein, qui a l'air d'être fabriqué du même bloc que le reste de la tour. C'est pas quelque chose qui a été posé. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas de jointure au sol. Sur le sommet de ce petit piédestal, il y a une trace de main. Corée, ça correspond à, je pense, à ce qu'on a eu. Par contre, à quelle main? De quoi? Ça, t'as du grésillement, j'ai pas entendu. Je vois qu'il y a une main, mais je ne sais pas si c'est pour ta main. C'est une main de taille humaine. Pas spécialement pour vous, pour l'un ou pour l'autre. C'est une empreinte de main, mais de main taille humaine. Encore une fois, ce qui est assez étrange, étant donné la volumétrie globale de la tour. Voilà. Corée, si ça te dérange pas, je vais prendre le risque de mettre ma main. D'accord. Ça d'une voix si étouffée, il n'y a pas de souci. Oui, pardon. Ok, faisons ça. Je me mets à côté de Aldine, au cas où. Aldine, tu t'approches du piédestal. Complètement. Tu,
va pour poser ta main sur cette empreinte, et au moment où ta paume touche la pierre, tu vois que l'espèce de miroir qui est en face de toi commence à vibrer, commence à trembler, et puis petit à petit, ça va se stabiliser. Et tu ne vas pas voir ton reflet dans le mur, tu vas voir une sorte de pièce, une sorte de long couloir plongé dans la pénombre. Vous le voyez tous, hein. Y a pas que Aldine, vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Je vous propose d'y aller. Ok. Moi, je m'approche du miroir et puis je regarde un peu mieux. Parce que c'est toujours un miroir avec une image. C'est toujours une surface. Alors, c'est plus un miroir parce que pour le coup, tu ne te vois plus. Ouais. Ça a l'air d'être un mur, encore une fois, sauf que tu as l'air de voir de l'autre côté du mur. Et toi, tu vois un peu moins bien pour le coup. S'il fait totalement noir, tu vois juste, je sais pas trop d'où vient la lumière, mais tu vois juste le début d'une pièce. Moi, je me sens toujours un peu mal avec toutes ces pulsations qui sont fortes. Du coup, je m'approche de ce miroir passage, quoi, et je baille avec le bout de ma lame. Je vois si ça va quelque part ou pas. Stargate SG1. C'est ça? C'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que ta Je crois que lame c'est ça. va s'enfoncer un petit peu dans le mur. Ce qui va créer comme des ondulations tout autour de la lame, comme si tu avais jeté quelque chose dans une mare et tu vois les ondulations qui. Je regarde les autres. Je fais bon, autant y aller. Ok, d'accord. Ça a l'air d'être notre porte de sortie, de toute façon. Et en fait, tu vas t'approcher tout doucement. Donc, c'est Pardon, une excuse-moi. sortie. T'as dit quoi, Antoine? Non, j'ai vu. Donc, c'est une sortie. Ça n'amène pas Aldine, ailleurs. tu prends la tête. De qui? La mienne, en l'occurrence. Celle tu de vas Nord. t'approcher. Salut. Tu vas continuer à planter ta lame dans ce mur qui va s'enfoncer petit à petit jusqu'à ce que ça atteigne le bout de tes doigts et t'as une sorte de petite sensation de froid quand tu passes ta main qui va tout doucement. Tu en mets ta main, puis une partie du bras, et puis t'essaies de te stopper un peu par crainte, et en fait tu te sens comme aspirer un... Et instantanément, tu te retrouves dans une pièce, dans un long couloir. Et t'es tout seul. Tu te retournes. Et face à toi, il y a un mur. Et derrière ce mur, tu vois tes compagnons. Un peu paniqués, qui viennent de te voir disparaître. Les autres. Vous venez de voir Aldine se faire aspirer par le mur. Oh mon Dieu, il a été aspiré! Et Qu'est-ce vous le qui se voyez passe? se retourner. Et vous faire face sans vous regarder. Vous le voyez dans cette pièce à côté. Comment ça, Sans sans vous nous voir, regarder? pardon. Il nous voit? Ah, il nous Bah, voit pas? il vous cherche du regard. Ok, bah venez, on y va. Vince Cold, je t'accompagne. Et à ce Je moment-là, vous passe sentez toute la tour qui se met à trembler. Vous commencez à regarder tout autour de vous, les murs commencent à se craqueler. Petit à petit, vous voyez des pans de plafond qui commencent à tomber à côté de vous dans un grondement sourd. C'est un espèce de pierre qui vient s'exploser juste à côté de vous. Par Ok. réflexe, je mets mon bouclier au-dessus de Ouais. Corée et moi, et j'avance, je boite Ok. vers le mur. T'avances Tiens, Vinsfall, difficilement viens. et t'as Allez. des pierres qui viennent s'écrouler sur ton bouclier petit à petit. Fais-moi un petit jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh non! Avec Ça des va, sur avantages, ça, bien sûr. j'ai pas de... Non, non, pas de désavantages. J'ai des avantages sur les jets de carac. Ah oui, c'est vrai. Sauvegarde constite, c'est parti. Ok. Et magnifique. Tu Ah, je suis pas bien. te prends ces petites pierres comme ça et... Alors attends. Tu prends 5 de dégâts. Ah, ça va, je suis téléfoot. Non, tu vas te prendre un point de dégâts Allez. contondant. Enfin... La dernière fois qu'on s'est pris des pierres, c'était 4 des 10. C'est vrai.
C'est vrai. Là j'ai Ça été, va, c'est j'ai cool. été plus soft. Non, en fait, c'est juste que comme tu es blessé, déjà, tu as du mal à lever ton bras au-dessus de ta tête pour protéger tes compagnons. Et en fait, comme tu es imposant, que tu prends beaucoup de place et que la tour est en train de s'effondrer, tu te prends ces rochers sur le bouclier. Et en fait, c'est le choc constant qui vient et qui petit à petit te font perdre un petit peu de résistance. Je perds Allez-y, pas de Skull. temps, j'avance vers le mur Et chacun votre tour. et j'y vais franco. Chacun votre tour, vous passez tandis que vous voyez cette surface vitrée qui est elle aussi en train de se craqueler, comme si le passage était en train de se refermer, et vous passez, et chacun votre tour, vous êtes aspiré.